Les amis, bonjour, c'est Colette. Une vidéo, bonjour à tous. Alors, je regardais un peu voilà. Une vidéo aujourd'hui, donc, de droit. Donc, le sujet, donc, du jour, demande d'un certificat d'un non-appel. Alors, le certificat de non-appel est régi par l'article 505 du Code de procédure civile. Voilà, c'est un certificat donc qui est délivré par le greffier, attestant que ni vous-même ni les autres parties au procès n'ont contesté donc la décision. Donc, une fois bien sûr que la décision n'a été contestée donc par aucune des parties citées, vous devrez donc vous adresser donc votre demande au greffe de la juridiction devant laquelle un appel peut être formé. Voilà. Alors, donc, quel est le délai donc, pour demander un certificat de non-appel? Le délai donc est de 3 semaines. Voilà. Qui sont donc les personnes habilitées donc à demander les certificats de non-appel? En pratique, ce sont les auxiliaires de justice ainsi que les avocats et huissiers qui demandent donc au greffe un certificat de non-appel. Mais les particuliers le peuvent également pour les jugements qu'elles ont obtenus sans l'assistance d'un conseil. Alors, comment obtenir maintenant un certificat de non-appel pour tout ce qui concerne donc les prud'hommes? Pour obtenir donc cette pièce, vous devez donc en faire la demande auprès du tribunal qui a prononcé la décision. Si vous ne disposez pas de ce document, il faut faire donc la demande auprès du greffe de la juridiction ayant délivré donc la décision. Voilà, alors la question annexe, c'est comment savoir si une personne donc a fait appel d'une décision. Dans ce cas, vous pouvez contester donc le greffe, contacter pardon, le greffe du tribunal de première instance à l'échéance d'un délai donc de 10 jours pour savoir si une annonce d'appel a été déposée. Voilà, donc c'était tout pour ce volet. Voilà, donc le certificat de non-appel, voilà, qui peut être utile, donc voilà, en cas de prononcer donc d'un jugement. Voilà, ce certificat donc qui est régi par l'article 505 du Code de procédure civile. Je vous remercie donc les amis, à très très bientôt pour une autre question concernant donc le droit. Voilà, à très très bientôt. Merci. Au revoir.